Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de lumière? À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage. Adressez vos emplois seront ceux des bonnes, des servantes, des religieuses et des prostituées. Mon problème dans la vie, c'est que, comme me disent souvent mes proches, c'est que j'ai jamais réussi à avoir une situation stable. J'ai choisi un métier formidable pourtant. Comédienne. Je suis Sophie Morin. Je suis comédienne et chanteuse. J'ai écrit mon premier spectacle qui s'appelle Sans emploi, qui parle de mon métier. Ce spectacle, il est très lié à une certaine réalité de ce métier, qui est la précarité. 243 jours d'indemnisation, mais j'ai pas réussi à les faire. En même temps, je te raconte ça, maman, mais tu sais, tout vient de changer. Enfin, oui, on est repassé aux 12 mois d'indemnisation avec ta date anniversaire. Non, pas celle du tien. Ça m'a donné envie d'écrire aussi sur cette réalité de ce métier, pour dire que c'est quelque chose de... C'est des choix qui sont beaux. Celui qui est sur scène livre à tous ceux qui sont là ses émotions et sa parole intime, qui dans le meilleur des cas, parle à tout un chacun. C'est un personnage qu'on suit du début à la fin, dans ce contexte-là. Après, il y a plein de digressions, il y a plein de choses qui partent dans tous les sens. Ce que j'aimerais, c'est que tu la dises en rampant sur les lino. Ton personnage est comme un lombriga qui marche sa réplique, qui la digère et qui la recrache. Tu tournes ta tête à jardin. Tu recules circulairement de 5 pas. Tu lèves ton bras à mi-hauteur. Attention, ton bras doit être bien parallèle. Alors, voyons voir. T'as toujours des boutons comme ça un peu partout sur le visage? Non, alors ça c'est parce que je mange pas très équilibré en ce moment, mais ça peut s'arranger. Non, mais c'est bien, hein. On cherchait le fil de relais, donc c'est super. La partie réelle de l'histoire, c'est que 7 ans passés à Paris, 7 ans à ne pas faire mon métier de comédienne, quoi, tout simplement. Il y a souvent des périodes comme ça où on cumule toutes sortes de petits boulots qui se terminent en euse. Vendeuse, serveuse, perceuse. Je voulais que ce soit simple à mettre en place. Je pense qu'un spectacle, il doit pouvoir exister d'une manière très simple. Et après, le reste, tout ce qui vient se rajouter, c'est du plus, en fait. Tu sais ce que c'est une baignoire? C'est un truc creux avec des robinets. Et quand tu les ouvres, les robinets, il y a quelque chose qui coule. De l'eau chaude! Déjà, c'est super ce qui se passe là, parce que je le joue dans un super théâtre. J'ai envie de le jouer encore plus. Pourquoi pas en Avignon, ce serait une belle perspective, ouais, pour ce spectacle. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est Thalès. Je voyais déjà adulés et riches, signant des photos admirateurs.